Donc, Bitcoin ce matin, Omi Frog Show, bien entendu. J'ai pas toujours les possibilités de le faire les vendredis et de toute façon, souvent, je vais vous avouer que les Omi Frog Show, j'ai envie que de vous dire que dans le futur, on va en faire un probablement minimum par semaine, mais que ça va dépendre beaucoup des chartes. Comme là ça, j'ai été comme 2-3 jours à ne pas voir de résultats très probants, puis je vous dirais même que là, en ce moment, on est sur la semaine. Je vois rien de super probant, sauf peut-être le fait qu'on a l'air d'avoir déjà touché un plafond, ok? Bon, on va y appliquer les EMA pour commencer. J'ai réajouté le EMA 5, j'ai enlevé le 200 pour laisser le 233 seulement, puis j'ai rajouté le EMA 5. Là, vous voyez, c'est la petite ligne rose ici. Là, moi, ce que je vois présentement, c'est qu'on n'est même pas capable de passer par-dessus le EMA 5. Ça fait dur un petit peu. Là. On manque de puissance, on est encore sur une descente. Mes EMA ici, ils sont pas très, très bullish. Ils vont agir en tant que résistance. Par contre, si je regarde les stocks ASIC RSI de la semaine, peu importe que je mette mes chandelles Icon Ashi ou que je mette mes chandelles régulières, on se retrouve vraiment avec une uptrend pour les stocks ASIC RSI. Vous voyez ici, mes deux courtes timeframes sont vraiment uptrend. Puis si je viens sur mon TO, qui est un autre indicateur de multi-timeframe stock ASIC, on voit que ma ligne blanche est bullish malgré que la bleue soit bearish. Donc là, pourquoi j'utilise déjà deux stochastiques RSI multi-time frame comme indicateur, ce qui me donne l'équivalent de 6 stochastiques, c'est que vous allez voir que les lignes ont les mêmes couleurs, c'est parce qu'ils veulent sensiblement dire les mêmes choses. C'est exemple, ma ligne blanche et ma ligne blanche là sont des très courtes time frame et ça permet de voir les réactions de ce qui va se passer sur une courte time frame. Ce que je veux dire qu'en ce moment, on est sur du weekly, ça représente probablement une à deux journées les lignes blanches. La ligne bleue représente la stochastique RSI de la week et le vert va représenter, exemple, environ 3 semaines de chart. Donc là, on voit les mouvements sur plusieurs time frames, c'est vraiment pratique. Puis quand on tombe sur du daily, comme aujourd'hui, comme ici, on va aller voir un peu ce que ça me donne. Donc, comme je disais, si on revient sur le daily puis qu'on regarde les stochastiques RSI, le voyez en plus, je vais me permettre d'enlever les EMA un petit peu. Voyez, on a un plafond. Là. Ici, là, on semble avoir touché un plafond là, qui équivaut au top de cette chandelle-là. On a de la misère à passer par-dessus ça. Ça me semble pas mal certain. Okay? Donc, quand je vois ce plafond-là puis que je viens regarder les stochastiques RSI, ici, là, quand j'ai monté en haut, généralement, je me suis attendu à des chutes très probantes et très puissantes à venir. Par contre, quand je les mets en corrélation avec mon autre stochastique RSI que j'ai en bas, ici, je vois clairement qu'on n'était peut-être pas rendu dans un top pour les deux timeframes les plus courtes, bleue et blanche, quand lui ici était dans un top pour ses deux timeframes les plus courtes. Donc là, je me serais dit, ah ok, la chute que là, on va en avoir une, mais probablement un peu moins puissante que si j'aurais ma ligne bleue et ma ligne blanche dans le top ici et en plus ici. Donc là, quand je m'en viens ici, vous voyez, même chose ici, je ne me serais pas attendu à une drop nécessairement, dans la mesure où je vois que mes deux stochastiques RSI ne concordent pas dans leurs informations. Par contre, quand je m'en viens ici, là, je vois très bien que ici, je vais avoir mes deux stochastiques RSI qui semblent s'en venir au top. Puis ici, je pourrais avoir le même comportement qui s'en vient ici au top. Là, j'aurais probablement les trois stochastiques RSI dans la même région au top. Je serais prêt à m'attendre à une belle chute ici, surtout si je suis encore au top ici. Puis que ici on a réussi à monter une certaine hauteur. Une fois qu'on va faire une drop, généralement, on est en bear market, on n'est pas en bull run. Les drops sont importantes et il me manquerait juste comme un de mes 6 stochastiques indicateurs pour me dire downtrend. Donc là, ce que ça me dit, probablement que la downtrend pour le Bitcoin, ça s'en vient, mais on a encore pour probablement une petite semaine à débattre du prix alentour du 17 200. Je pense qu'on va peut-être passer par-dessus un petit peu, se rendre dans certains plafonds du style 17 600, mais d'après ce que j'en perçois ici, la gang, là, on s'en va sur une uptrend légère avant d'aller faire une vraie belle drop. Donc on pourrait peut-être attendre que le stochastique ici en vert monte en haut complètement. Donc comme je vous dirais, d'après moi, là, durant la semaine qui va venir, uptrend Bitcoin après descente pour le Bitcoin. Puis quand je regarde les EMA, je me dis probablement un peu la même chose, dans la mesure où je vois que mes EMA ici, j'ai un comportement bullish. Vous voyez, des croisements, des tendances uptrend. Mais si on manque de puissance puis qu'on finit par downtrend, d'après moi, ce manque de puissance-là va se révéler dans une espèce de revirement de situation ici. Puis je vous dirais quasiment qu'on semble déjà manquer de puissance. Là, voyons, on a eu une vague downtrend. Oups.
Ici, on a l'air d'avoir un de nos AMA qui est 8, 5, 8, 13, le 21 semble créer quasiment de la résistance. Je serais prêt à attendre une petite semaine. D'après moi, on a une downtrend qui s'en vient. Puis si là, on va consolider sur le sideways. So, yeah. Ça, c'est pour le Bitcoin. Je suis dans le pas mal dubitatif de ça. Surtout, peut-être que si je viens vous montrer le weekly, puis que je viens y appliquer cette indicateur. Oh, t'en as un petit peu, parce que c'est pas ça que je voulais faire, je voulais le cacher. Si on vient y mettre. Quoi que je l'ai pas, on va en mettre un. Si je viens faire ça ici, Fibonacci en 3 points, je me prends la dernière drop qu'on avait faite, le bottom, juste avant notre rise ici. Qu'on s'en va sur le bottom qui est l'équivalent de ça ici en ce moment. Donc là, en théorie, sur le weekly, on a fait notre uptrend, on est rentré dans ce qu'on appellerait la Golden Pocket Zone qui se trouve à break. C'est pas impossible qu'on aille plus loin, c'est pas ça que je dis. Sauf que généralement, une fois qu'on a rentré, on a chuté, on a rentré dans cette zone-là. On pourra remettre ça sur le daily, peut-être ça va être plus clair pour certains. Donc, vous voyez, on est parti ici. Oups, on est parti ici, on a monté jusque-là. Ça nous a fait descendre jusqu'ici, mais regardez, ça nous ramène. Poup, Golden Pocket Zone. Généralement, à partir de là, on se prépare à descendre. On va manquer de puissance sur les uptrends. C'est un comportement qu'on va voir qui est respecté quand même de façon assez souvent avec les Fibonacci en 3 points. Bien entendu, il y a les niveaux suivants et précédents qui peuvent agir comme résistance et comme support, mais quand je vois ça ici, je me dis, potentiel d'avoir fini notre uptrend pas mal, celle-ci. Puis retour dans le trend. Donc, yeah, Bitcoin, c'est ce que je pense. Puis retour dans le trend, on pourrait aller jusque où? D'après moi, on n'ira pas très loin. Mais on pourrait le regarder rapidement ensemble. Donc, si on se fie à ça, ben notre Golden Pocket Zone se range jusqu'à 14, entre 14 et 14,005, la Golden Pocket Zone pour un Fibonacci en 3 points, une fois qu'on va avoir terminé cette espèce de montée-là qui plafonne déjà. Donc, yeah, omis. Shout out à Monsieur Dividence qui répondait à mon vidéo sur les dividendes qui sont donnés au modérateur pour le Discord de Vivi. Il disait tout à fait d'accord avec toi. Merci pour la vidéo. Je suis comme ben. Merci Monsieur Dividence. Puis si c'est pas déjà fait, ben je vous invite bien sûr à fracasser le bouton d'inscription de la chaîne sous la vidéo. Ça va. Yeah. Donc là, Omi, à cette heure, on commence ça avec le daily. Pour ce qui est du Omi, bon, de prime abord, je sais pas s'il y en a qui se rappellent, je m'étais mis des lignes pointillées en jaune. Moi, pour moi, c'est ça allait être là-dedans qu'on allait se promener. Là, on a défoncé ça un petit peu, hein, quand même. On a repassé par-dessus ce matin les zéros. Oh, non, on n'a pas repassé, on n'est pas loin. On n'est pas loin de regagner notre zéro qu'on avait perdu jusqu'à un certain point. On se bat pas mal pour le revoir, mais sous mon avis, là, on est sur un plateau. Vous voyez justement cette espèce de zone orange pointillée que je vous ai mis là. Ça semble être notre plafond actuel. Puis si je reviens dans le passé, regardez. Ting, ting, ting. Puis si je retourne plus loin, il y a sûrement d'autres choses avec l'OMI encore. Donc là, mon feeling de prime abord, c'est qu'on va avoir de la misère à percer ça. Depuis qu'on l'a percé, d'après moi, il y a des gens qui surveillent la charte pas mal puis qui vont vendre aussitôt qu'il va trigger un certain niveau. Parce qu'ils savent qu'éventuellement, ils vont probablement être capables de racheter beaucoup plus bas. Donc là, en ce moment, vous voyez ici, je l'avais indiqué sur les stochastiques RSI. Je me préparais à une chute. Puis je me préparais à une chute. Moi, j'étais déjà ici. Là. Vous voyez, je me disais, d'après moi, là, on va chuter. Donc, oui, je sais, Romy. On n'a pas mis les stochastiques RSI ici en corrélation. Mais regardez, là, dans le moment où j'ai pensé que ça allait chuter, on s'approchait d'un top. Puis depuis, malgré notre montée de prix ici, qui est en corrélation avec le stochastique RSI long time frame, qui lui aussi est en montée, on voit quand même une downtrend qui est prononcée ici. Donc pour moi, c'est comme le signe de la manque de puissance un petit peu. Regardez, là. La downtrend des stochastiques, ce qu'elle indique, c'est qu'on manquait de volume un petit peu. Okay? Là ici, on est sur la première journée de chandelle rouge. Il nous reste 13 heures à faire, mais il n'y a pas de volume de vente non plus. Donc c'est perturbant un petit peu. Je me serais attendu vraiment à ce qu'on ait une chute très très bientôt. Là. Je pense que c'est le Bitcoin qui retient tout ça. Si le Bitcoin chute, je pense qu'on va chuter. Mais pour l'instant, j'ai l'impression que ce qui nous retient, c'est ça, c'est le Bitcoin. Probablement que, bon, on a des bonnes news dans la mesure où les news avancent bien pour Vivi. Donc, ça pourrait aider à maintenir le prix, mais je l'attends ma chute, moi. Moi, j'attends une chute. Mais moi, m'indique qu'on est en train de... On est à mi-chemin de chuter ici, puis en bonne voie de chute là aussi.
Ça se pourrait qu'on ait une courte chute, un retour uptrend, retester la limite qu'on est en train de faire là en ce moment. Ça pourrait faire du sens. Puis ensuite, on faire une espèce de mini-chute. On reteste ici. Puis après, on chute. Donc là, je chute loin, là. C'est juste pour donner une idée de la chute, là. Je pense peut-être pas qu'on va se rendre à 0,06, là, d'un coup, one shot de même. Ce serait un peu extrême. Mais bon, ça, c'est ce que mes stochastiques me disent, les EMA à Star. Mettons que je me pousse puis que je vais voir les EMA. Je débarrasse les chandelles. Oups, on est encore sur le pinceau. Ben, déjà, mes EMA, ils sont en train déjà de perdre de leur tendance. Là, déjà, on a 5, 8, 13, 21. Puis vous voyez ici, là, mes 3, là, ici, bon, j'ai eu un croisement bullish, mais je suis déjà en train de... Mes 3 lignes sont déjà quasiment en train de vouloir s'en aller. On voit une perte de la puissance un petit peu, puis presque un rapprochement de la rose ici, de l'orange et de la bleue. Donc là... ce qui est un peu drôle, c'est que la 21 aussi a une tendance uptrend. Donc, ils sont quand même bullish un peu ici. Je m'attendrais à une chute bientôt, par exemple, mais ils sont bullish. Puis si j'y rajoute les chandelles... Mais vous voyez, ça a l'air d'être ça qui nous retient un petit peu pour la chute. Ça a l'air d'être nos EMA. On a l'air d'avoir un bon support des Exponential Moving Average ici. J'attends quand même ma chute, je sais pas... Moi, c'est sûr que si Bitcoin chute, on va chuter de toute façon, mais je m'attendais pas vraiment à ça. Je m'attendais à ce qu'on aille un matin, quand je regarde ma chance, je m'attendais à ce que je vous dise, genre, si on n'a pas une chute très très bientôt du Omi, ce qui me paraît quand même le cas un peu, ça allait concorder à côté avec le Bitcoin, mais en ce moment, je suis mitigé par cette non-chute-là du Omi. On a beaucoup de support. Je pense que c'est la communauté qui va créer tout ça puis qui fait qu'en ce moment, je suis en train de me planter dans mes charts. C'est qu'on a tellement une grosse communauté en arrière puis probablement une couple de Weld qui sont des good holders que ça nous hold notre prix en ce moment. Parce que, Chris, regardez la Golden Pocket Zone, là, nous ramène bas en esti, là. Mais en théorie, on aurait potentiel de chuter jusqu'à 0,058, mettons. Ça serait dans le possible. Puis le plafond du dessous, logiquement, est à 0,077. Ouais. C'est fatigant. J'ai envie de vous dire que, bon, je peux pas vous donner de prédiction. Moi, je m'attends à ce qui tombe. J'ai l'impression qu'on pourrait peut-être même avoir une chute surprise, mais que ça va dépendre bien gros du Bitcoin. Si on n'a pas le Bitcoin qui chute d'ici quelques jours, d'après moi, le Omi pourrait hold très bien. Puis ensuite, hold, je veux pas dire monter de prix, je pense qu'il pourrait hold dans les prix qu'il y a là, pour finalement ensuite chuter avec le Bitcoin. Faut ça, ouais. Yeah. C'est mon feeling, mais je pense qu'il va falloir qu'on aille refaire ça lundi. Donc, yeah. Stay tuned, la gang, on va regarder ça ensemble. Puis, yeah. N'hésitez pas à aller faire un tour sur les VV Frog Show, oubliez pas. Maintenant, il y a les chartes de certains collectibles qui sont faites sur la chaîne, puis... Les collectibles qui sont choisis pour les chartes viennent de vos suggestions, donc allez sous ces vidéos-là, faire les suggestions, puis je vous sors des chartes pour vos collectibles. So, yeah. Peace. Bon, si t'as pas vu ma charte sur une pièce du Omi, que j'ai pas ma charte, mais bien sûr mon vidéo, je t'invite à aller voir ça, ça va apparaître dans à peu près 5 secondes à la place de ma tronche. So, yeah. Go. Yo, I'm like an addict, ooh, I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time.